Bonjour à tous. Petite vidéo présentation de cartes Memoedex que j'ai faites. Donc en fait, c'est sur un échange, enfin sur un groupe pour un échange. C'est prévu une carte Memoedex en échange. Et donc avec mon binôme, on s'est contacté. Et donc elle m'a bien dit une carte Memoedex, mais elle m'a dit qu'en plus elle mettrait 2-3 petites bricoles. Du coup, moi je lui ai fait donc sa carte Memoedex. Donc je lui ai demandé ses goûts, hein. Donc bon. Voilà, donc j'ai fait selon ses goûts. Alors c'est pas, alors j'aime beaucoup, hein, je la trouve jolie quand même, mais c'est pas ce que je préfère moi à l'origine. Alors j'ai un bloc de papier. Bonjour, ça, il est ouf, il est là. Mais que j'ai depuis longtemps, que je me sers pas, voilà. Donc s'il y en a qui veulent faire des échanges avec ça, hein, n'hésitez pas, j'essaierai de faire des échanges. Je fasse un happy mail avec ces papiers, mais je vais vous le montrer. J'ai un petit peu de mal. Voilà. Il y en a des beaux, hein. Il faudrait que j'arrive à faire quelque chose avec. Mais j'avoue que, je sais pas, les couleurs sont foncées. J'accroche pas. Et bon, il va bien falloir que je l'utilise. Bon, celui-là est joli, hein. Il faudrait le mettre en couverture. Celui-là aussi est pas mal. Donc voilà, j'ai ce bloc-là. Donc là, bon, bah, je lui ai fait une carte Memoedex. Puis là-dedans, il y a toutes les découpes à faire. Alors, ça, c'est un papier glacé. Alors c'est pareil, j'ai voulu l'ancrer, mais en fait, avec mon encre à moi, ça tient pas. Il faudrait que j'achète de l'encre spéciale. Donc voilà, bon, il faudrait que je fasse quelque chose. Ça peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à me le dire, faire un échange. Un happy mail. Si quelqu'un veut un happy mail avec cette collection-là en particulier. Donc en attendant, moi je lui ai fait cette petite carte. Puisque c'est ce qu'elle aime. Donc je lui ai fait ça. Et du coup, pour aller avec, je lui ai fait des petits embellissements tout simples. Nœuds, fleurs. Pour qu'elle puisse mettre avec tout, on va dire. Voilà, je lui rajouterai peut-être des petites découpes derrière. Voilà. Donc je lui ai fait ça. Et j'ai fait aussi alors deux autres cartes Memoedex. Alors c'est des cartes, hein, on ne voit pas bien parce qu'il y a le petit voile, enfin le tulle. C'est bien des cartes. Mais qui sont plus, on va dire, dans mon style. Dans ce que j'aime vraiment. Même si j'aime tout en scrap. Voilà. Alors je les ai fait avec la collection. Là, ce coup-ci, c'est la collection. Carousel, Paper, ma Guillaume, hein, j'adore. Et donc voilà. Et j'ai, alors ça c'est nouveau pour moi. J'ai fait des feuillages, enfin des feuillages et des fleurs moi-même. Alors là je les ai tamponnés et ensuite j'ai mis du. Ah, je vais vous montrer, il est là. Voilà. De la poudre embossée couleur or. Et je trouve que ça rend pas mal. Alors on avait vu ça au salon du scrap, mince, comment ça s'appelle? Bon, bah, vous voyez de quoi je parle, avec Stéphanie. Et donc Stéphanie s'est mise à en faire. Alors elle les a fait en tamponnage noir, il me semble bien. Et elle les découpée, elle les met et je trouve que ça rend super bien. Chez Crate Paper, il y a des die-cuts. Comme, je vais y arriver, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais donc je disais, chez Crate Paper, il y a des die-cuts comme ça. Ou doré ou noir, des fleurs et des feuillages. Et du coup, bon, bah là, je les ai fait moi-même avec cette poudre qui est super jolie, je trouve. Donc, voilà. Et en fait, donc, du coup, j'ai mis sur plusieurs niveaux. Je trouve que ça rend. Bon, ça rend pas mal, ça me plaît bien. Toute simple. Mais je trouve que ça rend bien. Enfin, moi, elle me plaît. Voilà. Donc, j'ai fait celle-là. Et j'ai fait celle-là. Voilà. Alors pareil, j'ai réutilisé pareil les feuillages, les fleurs, mon tulle hein, que j'aime bien, et des tickets que j'adore aussi, et du napperon. Vraiment, alors là, pour le coup, il y a tout ce que j'aime. Voilà. Donc je vais y envoyer donc celle-là, et je lui dis j'enverrai une des deux. Alors je pense que je vais y envoyer celle-là. Bon, celle-là, il faut aimer quand même. Hein. Celle-là passe peut-être mieux. Bon, je pense que je vais y envoyer celle-là, et puis bah celle-là, ce sera pour qui la voudra. Voilà. Là, cette petite présentation. Bon, bah écoutez, bonne journée et puis bah à plus tard. Au revoir.